Comment inviter un homme? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et je tenais à réagir à une question qui m'arrive souvent en coaching quand même. Alex, comment inviter un homme? Déjà, je tenais à vous remercier pour tous les partages, pour toute votre participation à cette chaîne parce qu'on est presque 100 000 abonnés, 100 000 femmes et hommes qui désirent prendre leur vie sentimentale et leur vie personnelle en main. Alors, je réalise cette vidéo depuis mes bureaux ici à Miami et je voulais juste vous dire une chose. Votre problématique, elle est exactement identique pour toutes les Américaines et même pour toutes les femmes aux quatre coins du monde. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'inviter un homme, mais vous avez peur de passer pour une femme facile. Vous avez également peur du rejet. Vous avez peur de l'image que vous allez projeter. Alors, il existe une technique très simple que je donne à toutes les personnes que je coach et je vous la donne aujourd'hui. Pour inviter un homme, oubliez votre objectif. Généralement, quand vous voulez l'inviter, c'est quoi? Vous voulez le séduire? Vous voulez être en couple? Vous voulez qu'il s'engage? En gros, c'est ça. Moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous disiez aujourd'hui, je ne vais pas inviter un homme. Je vais proposer à un homme une activité qui moi-même me fait plaisir. Parce que si vous êtes fan de bowling, proposez-lui d'aller faire un bowling. Si vous êtes fan de bande dessinée, allez voir une expo avec lui. Proposez-lui une activité qui vous concerne, qui vous plaît, dans laquelle vraiment vous avez envie de faire et passer ce moment. Ok? À partir de cet instant, l'homme ne pourra pas se dire que vous avez des idées derrière la tête. Peut-être qu'il se doutera, mais il n'aura pas la certitude. Donc, votre invitation sera formidable. Votre invitation lui permettra de se sentir à l'aise. Et que vous soyez, peu importe où dans le monde, à Tahiti, à La Réunion, en Belgique, en Suisse, en France, vous regardez cette vidéo, vous pouvez inviter un homme à ce que vous, mesdames, vous aimez faire. Le but, ce n'est pas de faire comme dans les mœurs. Le but, ce n'est pas de proposer quelque chose qui, finalement, lui plaira à lui, mais pas à vous. Le but, ce n'est pas d'inviter un homme et de se montrer en demande ou acquise. Ah, parce que là, ouais, bon, c'est trop facile pour lui. Non, ce que nous, on veut, c'est que vous lui proposiez quelque chose qui vous fait vibrer. Et à partir de cet instant, vous allez voir que votre séduction, elle sera formidable. Si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez des astuces pour conquérir n'importe quel homme, je vous ai mis une vidéo dans la description juste en dessous. Cette vidéo, elle est directement sur mon site. Elle n'est pas hébergée sur YouTube. Elle est privée uniquement pour vous, ma communauté. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous la regardiez de A à Z. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des idées, vous voulez partager votre situation, c'est dans les commentaires juste en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on va être plus de 100 000 à faire la fête et à parler d'amour. Je vous dis à très bientôt les amis. Et surtout, invitez les hommes, invitez qui vous voulez parce que vous avez la capacité de le séduire. Vous devez croire en vous. Vous avez tout pour le séduire cet homme. À très bientôt mesdames. Ciao, ciao.